Exercice 61, toujours de la page 154. Interpréter des résultats. Alors déjà, la consigne, interpréter des résultats, on va l'expliquer. Interpréter, ça veut dire arriver à comprendre ce qu'il y a dans un document. Arriver à le comprendre, ça veut dire lui donner un sens. D'accord? Le graphique ci-dessous présente la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie de certains pays européens. On est toujours avec nos énergies renouvelables. Donc on a un graphique en dessous. Alors est-ce que vous vous rappelez comment on appelle ce type de graphique? Alors ce type de graphique, c'est ce qu'on appelle un diagramme en bâton. Donc ce diagramme en bâton, on a sur la verticale, ici, la part des énergies renouvelables en pourcentage. Donc ici, ça veut dire 10% font de l'énergie renouvelable, 20%, 30%, 40%. Ensuite, à l'horizontale, on a toute une liste de pays. Certainement, la liste de certains pays européens. Ensuite, on a deux couleurs. La couleur rose, ce sera pour le pourcentage en 2012. La couleur bleue, le pourcentage qu'on aimerait obtenir en 2020. Alors, première question. Quel pays avait, en 2012, donc en 2012, couleur rose, une production d'énergie à plus de 30% d'origine renouvelable? Donc là, pas d'autre choix que de regarder le graphique. J'ai préparé la règle parce que ça peut nous aider à lire. Donc on a dit 30%, donc je me place à 30. Ensuite, on a dit qu'il fallait regarder la couleur rose. Donc, pour pouvoir répondre à cette question-là, j'ai simplement besoin de regarder les pays qui sont au-dessus de ma règle avec la couleur rose. Donc, première question. Alors, première couleur rose ici, la Suède. Ensuite, la Lettonie. Ensuite, la Finlande. Et pour terminer, l'Autriche. Donc, ont plus de 30% d'énergie renouvelable. Ok, ça c'est pour la question 1. Question 2. Quel est l'objectif de la France pour 2020? Bon, on parle de 2020, donc 2020 on a dit que c'était couleur bleue, et il ne me reste plus qu'à trouver la France parmi toute la liste. Ici. France, couleur bleue, c'est ici. Alors, on voit que la couleur bleue, elle est entre deux traits gris horizontaux, donc entre deux graduations. Donc, on voit que c'est entre 20 et 30. Entre 20 et 30, j'ai une autre ligne de graduation grise qui est au milieu. Donc, ça veut dire qu'entre 20 et 30, ici, j'ai 25 au milieu. Comme la France est en dessous de 25, alors c'est à peu près à la moitié, hein, entre 20 et 25, je dois obligatoirement donner un nombre inférieur. Bon, on va donner 22,5. Si vous avez écrit 23 ou 24, c'est pas grave, hein, on ne peut pas être plus précis que ça. En donnant 22,5, je pense qu'on est pas mal. Donc l'objectif de la France en 2020, est 22,5%. Question 3. Quels pays ont prévu de baisser leur part renouvelable dans leur production énergétique? Donc, si je veux baisser, ça veut dire que la barre que j'avais en 2012 doit être plus grande que la barre en 2020. Comme ça, je vais bien voir la baisse.
Donc, il faut que j'arrive à repérer des pays qui ont des barres qui baissent. Bon, bah ici, par exemple, tac, j'en ai une. La barre rose est toujours plus grande que la barre bleue. Donc ici, il y a la Suède. Ici, ça ne va pas. Là, il y a une augmentation. Là aussi, là aussi, là aussi. Ah, ici. L'Estonie. Augmentation. Ici, augmentation. Petite augmentation, mais augmentation quand même. Ici, Bulgarie. Et pour tout le reste, il y a des augmentations. Donc, on prévu de baisser. Leur production. Donc voilà comment, grâce à un simple graphique, on arrive à retirer des informations. C'est ce qu'on appelle interpréter des résultats.